T'es où, t'es la fin? Bonsoir. C'est une très belle histoire avant tout, et c'est vrai que lorsqu'on fait jouer des enfants, on doit avoir là-dessous un très beau scénario, une très belle écriture cinématographique. Bref, je passe les détails techniques, tout ceci pour vous dire que vous allez donc suivre dans quelques instants un très très joli film qui va certainement vous plaire. Et quant à moi, je vous retrouve donc le mois prochain, plutôt la semaine prochaine pour Cinéstar, et puis pour les fans de Cinéthème le mois suivant. Voilà, j'ai tout dit. Bonne fin de soirée donc avec nos programmes de 2M et puis très bon cinéma sur votre chaîne préférée. Au revoir et à bientôt. Bien sûr que je m'en souviens, c'est comme si c'était hier. Comment oublier une soirée mensuelle à thème avec 3 films en exclusivité? C'est un véritable cadeau pour le public. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait que 2 chaînes. Et puis, quelques petites chaînes sur la parabole, mais qui ne diffusaient pas de cinéma. Pour des questions de droits d'auteur, on comprend bien ça. Tout le plaisir était dans le fait de choisir 2 grands films, plus un film ancien, un peu nostalgique, qui était le dernier qui était diffusé dans la soirée. Et entre les deux, on l'entrecoupait de documentaires ou de séquences, genre derrière l'écran, des épisodes comme ça. Et on a même trouvé un moyen un jour de passer le même film, c'est-à-dire l'original et le remake, dans la même soirée. Tous les thèmes y sont passés. Les enfants, les dessins animés, le western compliqué, parce que c'est un genre protécréen, pardon. Ouais, je bafouille d'émotion. Enfin, tout ceci pour vous dire qu'à l'époque, puisque j'étais en charge aussi des achats de films, c'était un véritable régal, puisqu'on n'était pas soumis, contrairement à ce qui se passe maintenant avec nombreuses chaînes de télévision, à l'achat de packs, mais on pouvait choisir nos films. Et c'était un régal pour le public et pour nous-mêmes, ici à 2M, avec la complicité, bien sûr, Cinéthème. Vous avez vu qu'il y avait, vous souvenez, il y avait beaucoup de trucage avec la complicité de l'excellent réalisateur Saizro. Pour moi, c'est comme si c'était hier. 2M a 30 ans, mais 2M restera éternel. Ne pas oublier l'ancien slogan, 2M, il n'y en a pas deux.